Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours votre homme serviteur Eritor. Depuis quelques heures, les informations qui nous parviennent comme quoi l'influenceur Apuchu National serait arrêté par la police. Il a été interpellé il y a quelques heures. Ce sont les informations qui nous parviennent. Et il y a certains parmi vous qui m'ont écrit pour me demander c'est quoi le problème, c'est quoi le souci. Déjà, l'acte qu'il a posé, qui a mené à cette interpellation-là, n'est pas bon. S'il s'avérait qu'il soit vraiment interpellé. Parce que exposer autant d'argent sur la place publique n'est pas forcément condamnable, mais cela pousse à avoir du regard sur toi, c'est-à-dire à mener des enquêtes pour connaître l'origine de ces fonds-là. Voilà. Voici ce qui a poussé la police judiciaire à mener ces enquêtes et à interpeller notre opportunité nationale. Mais rassurez-vous, pour ce que je sais du droit, cela c'est-à-dire, comment je dis ça en bon français, cela ne va pas lui causer des ennuis si l'origine des fonds est justifiée. J'espère que je me fais comprendre. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il a exposé beaucoup d'argent, c'est déjà pas bien, voilà, c'est déjà pas bien. Je vais déjà me prononcer aussi sur ça plus tard dans la vidéo, mais je tenais à dire que c'était déjà pas bien. Mais s'il savait qu'on l'approche, on lui explique que ce tas d'argent qu'il avait exposé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux provenait d'où et qu'il avait la possibilité de justifier le pourquoi du comment il a exposé cet argent-là. Et s'il s'avérait aussi que l'origine de cet argent-là ne soit pas douteuse, il n'y aura aucun problème, ils vont le libérer. Peut-être qu'il a déjà été libéré. Mais il y a un truc que vous devez savoir. Là, je parle à tous les influenceurs. J'ai l'impression que quand le pauvre réussit, il n'a pas la maîtrise de la richesse, en fait. Voilà. Parce que il avait même pas à faire ce qu'il a fait. Voilà. Je ne sais pas c'est dans quelle optique il a fait cette vidéo-là, ou bien il a posté cette image-là, mais franchement, ça n'a pas été trop réfléchi de sa part. Je suis pas en train de l'insulter, mais il n'a pas été intelligent sur ce coup-là. Parce que la plupart des personnes milliardaires de ce pays-là n'exposent pas leurs biens. Il avait juste envie de se faire voir, mais il s'est fait voir négativement. Et là, c'est en train de lui créer des ennuis. Mais je sais, parce que je sais, pour ma part, puisque je suis, on va dire, un jeune sur les réseaux sociaux du nom de Lionel PCS, qui est un joueur de paris sportif, qui est un très grand joueur de paris sportif, qui a acquis une voiture. Et je pense pour ma part que c'est Apuchu qui était soit l'intermédiaire ou bien qui lui a vendu cette voiture-là. C'était une classe G Mercedes. Et c'est cet argent-là que Apuchu a brandi sur les réseaux sociaux comme quoi, comme si c'était son argent en fait. À la réalité, c'est ça. Donc je pense pour ma part que Apuchu n'aura pas de gros problèmes s'il justifie effectivement que c'était lors d'un achat d'une voiture par le jeune Lionel PCS, une classe G Mercedes noire, je précise, que pour vouloir frimer, pour pouvoir faire un peu de buzz qu'il a fait cette photo-là, ils vont juste lui donner quelques conseils pour que cela ne se repose plus et ils vont passer à autre chose. Donc, Apuchu, je pense pour ma part que tu n'as pas besoin de faire ce genre d'acte là, de poser ce genre d'acte là, parce que c'est pas réfléchi, c'est pas du tout intelligent et c'est même pas sage. Voilà. Tu nous as déjà dit que tu es l'influenceur le plus dépouillé de la Côte d'Ivoire, l'information est passée, on l'a compris. T'as même pas besoin de vouloir le démontrer encore, parce que pour ce que je sais, les hommes riches de ce pays là, les hommes riches partout ailleurs démontrent leur richesse par leur acquisition, c'est-à-dire soit leur maison, soit leur entreprise, soit leur bien. Ils n'ont pas besoin de venir exposer des liasses de billets pour montrer à la face du monde qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils n'en ont même pas besoin. Là, tu ne tenais pas un clip. Voilà. Et ça, c'est des choses à ne pas refaire. Voilà. Ça va te louper aujourd'hui, mais il faut faire attention pour demain. Parce qu'imagine que c'est quelqu'un qui venait te confier de l'argent blanchi, ou même de l'argent qui était frauduleux. Et tu venais exposer pour te faire voir. Et lors des enquêtes, s'il réalise que l'origine des fonds est douteuse, tu allais partir en cabas. Il allait te déférer vite fait. Mais comme je sais que cet argent-là vient du petit Lionel PCS,
qui a acheté une Mercedes classe G avec toi, ça n'ira nulle part. Et on sait que ce petit-là aussi, c'est un grand parieur sportif qui fait rentrer des cinquantaines et des dizaines de millions chaque jour sur son, sur ses comptes. Donc, il aura même pas le feu. Il aura même pas le feu. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui voulaient savoir le pourquoi du comment, Apotu a été arrêté, c'est pour ça. Et cet argent-là, c'est pas de l'argent volé, c'est pas de l'argent pour un blanchiment, c'est l'acquisition d'un jeune qui voulait se faire plaisir en achetant une nouvelle voiture. Voilà. Il est à sa deuxième, si je crois pas, sa deuxième Mercedes, parce qu'il a une GLE et une classe G. Et je pense que c'est le montant de la classe G là qu'il a, truc, on va dire, qu'il a donné à Apuchu. Et Apuchu, vous le connaissez, un influenceur à buzz, un influenceur à grande gueule, a voulu montrer à ses confrères qu'il a beaucoup d'argent et il a flashé ça sur les réseaux sociaux. Moi, je savais qu'ils allaient l'interpeller et c'est ce qui a suivi. Voilà, donc Apuchu, tu es prévenu. Tu es prévenu. Quand tu évolues dans la société, il faut t'entourer des personnes aguerries, des personnes qui connaissent le droit, des personnes qui peuvent te conseiller sur ce que tu dois dire, sur ce que tu dois faire et sur ce que tu ne dois pas faire. Donc j'espère que cette interpellation-là va te donner beaucoup de conseils. Sinon, ce n'est pas bon. Sinon, ce n'est pas bon. Il faut éviter ça. Et puis il y a un autre conseil à tous les autres influenceurs. Ce n'est pas parce que vous faites des photos ou bien vous rendez visite à certains ministres et à certaines personnalités de ce pays que vous allez penser que quand vous aurez des problèmes, ces personnes vont venir vous faire sortir de prison. Si vous n'avez pas raison, vous allez purger votre peine et sortir après. Donc faites attention. Faites attention. Voilà, faites attention. C'est un conseil de frère. Ah, Poutou, j'espère qu'on s'est compris. C'était une vidéo rapide pour informer un peu, truc mes abonnés, de la situation. Ne vous inquiétez pas. Je sais que Apuchu a déjà été relâché. Voilà, ciao, ciao.